l'histoire de cette boutique, c'est déjà quelques mois de recherche pour retrouver le bon emplacement. Et donc notre emplacement, on en est très satisfait puisqu'on est situé à quelques encablures de la place Kléber et de la place de l'Homme de Fer, au 1 rue de la Mésange, dans une rue très commerçante. C'est 8 semaines de travaux avec des entreprises locales, principalement d'ailleurs supporters du Racing Club de Strasbourg, partenaires du Racing de longue date. Et ça leur tenait à cœur de faire une boutique de qualité avec toute l'attention nécessaire pour arriver à un rendu final qui nous plaît particulièrement. On est dans un environnement design épuré, moderne, dynamique également, avec des écrans qui diffusent l'histoire du Racing Club de Strasbourg. L'objectif de cette nouvelle boutique, il est double. Déjà, dans un premier temps, il vient récompenser l'augmentation du chiffre d'affaires merchandising. On a doublé notre chiffre d'affaires merchandising en 2 ans. Et puis, il vient également valoriser l'image de marque du club, puisqu'on se rapproche encore un peu plus de nos supporters. On est à un emplacement idéal où on croise le Racing Club de Strasbourg désormais lorsqu'on est de passage au centre-ville de Strasbourg. Et ça nous permet donc de valoriser la marque, développer notre notoriété et notamment attirer des touristes dans nos boutiques. Dans cette boutique, on retrouve des collections conçues en collaboration avec Adidas, mais également des articles conçus en collaboration avec des artistes, et puis des produits qu'on façonne et qu'on fabrique localement dans le quartier de la Méno avec un atelier d'insertion professionnelle. Donc voilà, c'est aussi un écrin pour présenter ces nouvelles collections. Ouais. Et ceux qui ne connaissent pas encore le Racing, chaque fois qu'ils seront dans le tramway, ils se diront qu'est-ce que c'est ça, et ils diront ouais, allez les bleus. Elle est donc ouverte le lundi de 14h à 19h et toute la semaine du mardi au samedi de 10h à 19h. Et évidemment, on vous y attend nombreux.